Mesdames et messieurs, bonjour. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de sprinteurs prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux sprinteurs de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kittel, dernier vainqueur à Pau en 2017. Ok, je vais attaquer. Ok, je vais attaquer. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. L'échappée creuse l'écart, c'est tout bon pour nous vu qu'on a un gars devant. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Bravo les gars. Allez les gars. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. À l'aise dans les bosses, dans les cols et sur le plat, il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. C'est un coureur qui sait rouler. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point faible, hormis bien sûr la montagne. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. À la fois puncheur et rouleur, il peut compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée en petit groupe. La montagne, ce n'est pas son truc. Il est plutôt à classer comme puncheur, rouleur, avec un bon finish en petit groupe. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars.
ton équipier le mieux placé au général dans l'échappée. On est les mieux placés de l'échappée pour le maillot vert. L'équipier est le mieux classé à l'avant de la course pour la montagne. L'écart avec la tête reste stable. L'échappée creuse l'écart, c'est tout bon pour nous vu qu'on a un gars devant. Thank you.
On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. La première côte de la journée est classée en 4e catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le classement de la montagne.
classement du dernier grimpeur. L'échappée perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé.
La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. C'est bien. L'échappé perd du terrain. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Ok, je vais le protéger. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Allez les gars, on continue.
c'est vite fait. Vous avez quoi là? Continuez comme ça. Allez le gros. Allez Chris. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Allez, 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 allez,
ton équipier le mieux placé au général dans l'échappée. On est les mieux placés de l'échappée pour le maillot vert. Ton équipier est le mieux classé à l'avant de la course pour la montagne. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez, les gars.
Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. On approche de la dernière difficulté. Une excellente occasion pour les moins rapides au sprint de tenter une attaque de loin. Mais attention, le peloton n'a pas dit son dernier mot. Et il est peut-être préférable que les échappés continuent d'unir leurs forces. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Seconde d'avance pour la tête de course. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. T'es trop dangereux. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Allez,
juste l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Kilomètres, les équipes de sprinteurs contrôlent et le sprint semble maintenant inévitable. Plus que 5 km, on se dirige vers un sprint massif. Plus que 3 km et c'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire. La flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour un sprinteur aujourd'hui. Dernier kilomètre pour sprinter! Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Warren Barguil! C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape! Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait! On conserve le maillot à pois! C'est très bien les gars!